Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui parle. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour un spécial petit bonhomme allumette. Alors j'ai déjà fait deux vidéos là-dessus et sur une approche un petit peu différente de ce que tu as pu voir sur le sujet jusqu'à maintenant. Il s'agit d'améliorer le ciblage du sujet en faisant plusieurs petits bonhommes allumettes d'affilée en fait, de les enchaîner pour, comme un laser qu'on focalise, hop, aller trouver où se trouve le ou les liens d'attachement problématiques. J'ai fait ça hier, j'ai testé, j'ai expérimenté pour toi et je vais tout te dire sur ce sujet. On continue à travailler les liens d'attachement conscients ou inconscients qui peuvent nous polluer la vie. Mais avant ça, tu mets un petit pouce en dessous. Si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Si cette vidéo t'a plu, eh ben, tu partages et tu mets un petit commentaire pour faire vivre la chaîne, la communauté. Et puis c'est bon pour mon référencement, donc je t'enjoindrai toujours à laisser un petit commentaire. Voilà. Alors, petit bonhomme allumette, technique de Jacques Martel. Je m'appuie toujours sur cet excellent livre écrit par Lucie Bernier et Robert Langan en collaboration avec l'auteur du livre. Pour rappel, il s'agit de dessiner des petits bonhommes, puis de les mettre en lumière, de mettre leurs relations en lumière, de dessiner les liens d'attachement conscients et inconscients qui relient ces deux parties et simplement de couper ou de déchirer pour effectuer une action symbolique qui signifie « je ne veux plus de ces liens d'attachement conscients et inconscients » pour laisser place à une relation plutôt d'amour et non pas de dépendance, ce qui n'a rien à voir. Bien. Alors, l'idée, ce que j'ai expérimenté en fait hier, c'est de faire plusieurs petits bonhommes à allumettes et en les enchaînant, trouver là où il y a le lien d'attachement qui peut poser problème. Et c'était hyper intéressant. Exemple, alors quand on fait un petit bonhomme allumette, on commence toujours par se représenter soi. On fait un petit bonhomme et on écrit son nom. On commence toujours par soi parce que c'est un travail qu'on fait sur soi. Jamais on commence avec quelqu'un d'autre. Ça c'est Nathalie. Imaginons, je veux vendre ma maison. Je vais dessiner, je vais écrire ma maison, je vais dessiner l'adresse. Parce qu'inconsciemment, on peut être suffisamment lié, attaché à sa maison pour faire obstacle en fait à la vente en estimant le prix trop élevé ou en faisant capoter les visites de sa maison, des choses comme ça. Donc des fois, dans des situations comme par exemple une vente de maison, eh bien il peut y avoir des liens d'attachement fort qui pollue le bon déroulement des choses et qui nous empêche de faire ce qu'on veut objectivement. Donc, alors, il faudrait mettre un peu plus de détails, mais là, c'est juste un exemple. Avec l'adresse, par exemple, des choses comme ça. Je me mets dans un cercle de lumière. Je mets ma maison dans un cercle de lumière. Pour dire que je nous mets en lumière. Tout ça est très symbolique, mais la symbolique parle beaucoup à l'inconscient. Je mets nous deux en lumière. Un peu comme si on allumait un spot de lumière. Paf, je pose ma lumière, mon attention sur ces deux éléments. C'est également une manière de dire, de symboliser, je veux le meilleur pour moi, je veux le meilleur pour ma maison, je veux le meilleur pour nous. C'est également la lumière de la bienveillance. Voilà. Donc là, cercle de lumière autour de moi et ma maison. Imaginons. Je vais faire cette ligne d'attachement qui correspondent à des chakras. Alors, un au niveau du sacrum, la zone sexuelle, un entre le centre sacré, entre le nombril, enfin sous le nombril,
un autre au niveau du plexus solaire, un autre au niveau du cœur, un autre au niveau de la gorge, pour tout ce qui est lié à la communication, la parole. Un autre pour l'esprit, ici à la base du nez, on part de la base du nez, hop. Et un autre pour l'attachement supra-sensible, spirituel, hop, voilà. J'ai fait mes 7 traits pour le lien d'attachement. Alors, là, ma maison, j'ai vraiment fait ça de manière sommaire. C'est mieux si c'est un peu plus précis, que tu mets l'adresse, par exemple, etc. Ou alors, là, ça pourrait être ma maison d'enfance, imaginons. J'ai hérité de ma maison d'enfance. On va prendre cet exemple-là. J'ai hérité de ma maison d'enfance et je veux la vendre. Et je n'y arrive pas. Parce que je ne comprends pas tout à fait pourquoi, mais ça capote toujours, imaginons. Eh bien, on n'est même pas obligé d'avoir des ciseaux. La méthode est géniale de par sa simplicité. Hop, je déchire et je dis merci, c'est tout. Ça, c'est le premier bonhomme allumette. Tu vois, ça a été assez rapide à faire et encore, je t'ai tout expliqué, toutes les étapes. Donc, ça a pris un peu plus de temps que ce que ça aurait pris si je l'avais fait toute seule ou si tu l'avais fait tout seul de ton côté. Eh bien, là, je t'invite à être posé, attentif, quand tu fais ça, à ce qui se passe en toi. Il peut émerger des souvenirs, comme par exemple des souvenirs de toi, enfant, dans cette maison. Prenons cet exemple. Et là, tu peux refaire un bonhomme allumette, un petit bonhomme allumette, Nathalie. Alors, avec le nom de famille, c'est bien. Enfin, l'important, c'est que voilà, tu te représentes toi en petite allumette. Nathalie, enfant en train de jouer dans la maison. Donc là, tu écris Nathalie, enfant grandi dans la maison, imaginons. Lien d'attachement, tu déchires. Ça n'attaque ni l'amour, ni les souvenirs, simplement l'attachement qui peut t'empêcher d'atteindre en fait ton objectif de vente de maison, eh bien, en réalité, tu n'en as plus besoin. Maintenant, tu es adulte, ces liens d'attachement anciens peuvent faire obstacle à ta vie et puis même à ton bien-être en général. Donc, Nathalie, enfant, jouant dans la maison, je déchire. Imagine, tu jettes. Et là, en étant très attentif à ce que tu ressens en toi et à ce qui vient tout simplement, tu peux, par exemple, visualiser un arbre que tes parents, que tu aimais, ont planté dans le jardin quand tu es né. Et cibler de plus en plus précisément où est ton lien d'attachement. Et te rendre compte que tu es très attaché à cet arbre que tes parents ont planté quand tu es né pour célébrer ta naissance et qui est maintenant un beau grand arbre. Et comprendre que tu ne veux pas inconsciemment vendre sa maison, cette maison, car tu ne souhaites pas te séparer de cet arbre auquel tu es très attaché et qui représente beaucoup de choses pour toi. Et là, bah, tu vas te représenter, donc imaginons Nathalie, à côté tu vas représenter cet arbre, l'arbre que mes parents ont planté quand je suis née et qui peut-être symbolise l'amour de tes parents, tu vois. Tu vas faire les liens d'attachement, déchirer, dire merci, c'est fait. Et en fait, tu peux faire comme ça, tant qu'il y a des choses qui reviennent, toute une chaîne jusqu'à ce que tu sentes en toi que tu as trouvé la cible du lien d'attachement qui aujourd'hui bah, te pose problème et t'empêche quoi. Voilà, donc j'ai pris cet exemple, je pense que c'est un très très bon exemple du chemin qu'on peut faire en faisant plusieurs bonhommes allumettes les uns derrière les autres jusqu'à trouver la clé qui te permettra effectivement et eh bien hop de couper les bons liens d'attachement. Alors ça peut prendre plusieurs jours, tu peux les faire d'affilée en une demi-heure, finalement, ça c'est toi qui vois, c'est toi qui respecte tes rythmes. Peut-être tu vas en faire deux et puis le lendemain tu vas sentir qu'il y en a d'autres qui viennent. Il faut être vraiment très
attentif à ce qui vient en fait hein, dans ces représentations imaginaires, à ce qu'on ressent. Alors au moment où tu vas le déchirer, tu vas pas forcément ressentir grand-chose, mais je t'assure que ça va travailler en toi et donner des résultats. Et puis c'est un exercice qui se fait toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Donc les résultats seront forcément d'une manière ou d'une autre positifs. Ce sera le meilleur pour toi, toujours le meilleur pour ce sur quoi tu travailles et le meilleur pour l'ensemble. Voilà, je te dis à très bientôt sur Une Voix qui parle pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.